Tout est en règle. Vous êtes en droit de répondre ou non à mes questions, de faire des déclarations spontanées. Si vous coopérez, tout se passera pour le mieux. C'était avant tout pour faire travailler le chapitre sur la justice en quatrième différemment, en fait, et pour les mettre vraiment en contact avec la procédure judiciaire et qu'ils voient concrètement comment ça se passe. Je suis venue présenter une pièce de théâtre avec ma classe parlant d'une fille qui va à la gendarmerie porter plainte contre agression sexuelle lors d'une soirée. Les élèves ont rédigé en fait leur scénette, hein, leur dialogue, et après on l'a mis en scène avec l'aide d'un comédien qui est venu pendant deux fois deux heures avec nous pour les aider à mettre en scène. Une personne du CDAD qui est venue leur expliquer justement comment se déroule une procédure judiciaire. On a eu aussi la venue d'un avocat qui nous a présenté son métier et son parcours. C'est important que les élèves puissent se rendre compte de la réalité du métier d'avocat et de ce qu'est la justice. Souvent, ils ont une image un peu biaisée parce qu'ils voient la justice au travers de la télévision, avec les séries américaines, certaines séries françaises. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et puis, c'est important aussi de leur rappeler quels sont leurs droits, quels sont aussi, au travers de cet exercice-là, de l'opération Collège Justice, quelles sont leurs obligations. Ça a aussi beaucoup créé une bonne cohésion de classe autour de ces représentations, des répétitions. Et je pense qu'ils ont aussi retenu pas mal de choses, sinon peut-être plus que devant un papier, un crayon et des questions. Le département, à travers cela, essaie de faire de nos jeunes des véritables citoyens de demain, de les armer dans beaucoup de domaines pour leur permettre de développer tout ce qui les aidera à être de véritables citoyens, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir avoir confiance en eux, à pouvoir prendre leur véritable place dans la société.